Aujourd'hui, on est plus trop loin. On s'est greffé à ce gotha des grosses équipes. J'ai vu ce qu'il y a devant nous, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Brésil, c'est la Hongrie, j'imagine, de l'époque de Puskás, qui dominait l'Europe et peut-être quasiment le monde. Donc toutes ces grosses nations, et nous juste derrière, on est en passant l'Argentine, on est en passant la France. Voilà, une équipe africaine, c'est toute l'Afrique qui devrait être fière de ça déjà. Et puis ça veut dire vraiment gros 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 chapeau aux joueurs. Gros chapeau aux joueurs, il ne faut jamais l'oublier. Je leur répète tout le temps, je vous le dis à vous, nous sommes seulement les guides, ceux qui mettons les joueurs dans les meilleures conditions. Nous estimons, staff et moi-même, que nous maîtrisons notre métier, mais qu'on est capable de les orienter de la manière la plus précise possible. Mais ensuite, les acteurs, c'est les joueurs. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. En tous les cas, moi, je ne l'oublie pas. Ils le savent, je leur rappelle. C'est eux qui animent ce groupe. C'est eux qui alimentent toute cette force et cette synergie dans ce groupe-là.